Et salut à toutes les gars, c'est Roulian. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Donc au classement les gars on était quatrième, mais on reste à l'affût du podium parce qu'on a à chaque fois on a toujours un match en moins. Ok, ça on s'en fout. Hop, donc en plus il y a l'OM qui est juste derrière nous, c'est assez serré quand même. C'est vrai que si on gagne un match face au PSG on peut faire vraiment une grosse opération, mais bon ça va être compliqué surtout qu'on a fait un match de merde la dernière fois. Ensuite on enchaîne Rennes et Bordeaux. Donc vraiment que des matchs assez compliqués. Donc là ça va être tendu les gars, il faudrait au moins prendre 4 points. Voilà, ce serait l'objectif. Donc on va essayer de remplir cet objectif là. Mais ça contre le PSG ça va être compliqué si on fait. Si on joue pardon comme la dernière fois, comme les derniers épisodes, et bah, c'est clair que ce match là, ça va être très compliqué. Le retour du blessé, ok. Ok bah c'est cool. Hop. Luc Perrin, ouais, vos gueules. Ouais, Dragoski, c'est bon, hein, te la pète pas. Hein. Il y a encore Wi-Fi, hein, faut pas exagérer. Alors, on va jouer à domicile, donc on va prendre le maillot à domicile. Donc, la gestion d'équipe. Ah, donc, oui, on avait recruté des joueurs là, dans le dernier épisode, des gars, notamment Dabo, qu'on va pouvoir tester. Aussi, Kamano, donc qu'on n'a pas testé. Donc, c'est deux recrues qu'on va tester dans ce match-là. Beric, on va plutôt mettre Gabriel Jesus. Bon, je pense que Jesus Pléa, ça peut être un bon duo d'attaque. Donc on est parti les gars pour les meilleurs sons de ce match, pardon, let's go. Allez, c'est parti les gars. On va tout faire pour essayer de pas trop souffrir, ne pas prendre trop cher, mais c'est vrai que le PSG, j'ai gagné au match aller en plus, donc pourquoi pas. Surtout qu'au classement, ils sont pas top, il faudrait attendre mieux d'eux. En cas de victoire, on peut remonter à leur hauteur, donc il faut espérer, on sait jamais. Avec Gabo, on va se trouver le petit Gabo. Gabo la frappe, c'est trop, c'est pas terminé de Jésus. On était trop drôle. Oh oui, on frappe. On va faire le score les gars. Gabriel Jesus mon pote. Il est juste énorme. C'est le début de match les gars. Et ouais, je pense que c'est pas la tabou. La belle frappe qui est contrée. Et là il arrive à contrôler en fait. Je pense que c'est bien pour duel. Le contrôle, le contrôle, il s'agit magnifique les gars. Ça fait 1-0, c'est parfait, début de match. On continue comme ça. Et on est. Allez à touche, à l'anticipation. Pour l'instant on est pas mal, on est bien en match, PSG. Qui a le ballon, mais qui se rapproche pas. Ruffy, il a pas eu de ballon à négocier pour le moment. Ah, ils ont Pjanic aussi, ces bâtards. Et ils ont Mitarian également. Et là, par contre, ça joue bien, ça fait tourner tranquillement. Et bon, pour l'instant, tant qu'ils nous mettent pas en danger, ça va. Par contre, là, ça se rapproche un peu trop vite avec Di Maria. Attention, Mitarian! Et l'ouverture, l'égalisation, pardon. Oh non, l'égalisation de Mitarian, c'est pas mérité. Enfin, c'est pas démérité, mais voilà, c'est la première frappe, ça fait chier. Aïe 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 aïe, leur bon moment de possession là du PSG là. Et puis là ça a joué en touche de balle et puis Mitterrand qui. Ouais, ils se retournent trop facilement, c'est pas normal. Égalisation les gars, 1-1, dommage, on était bon, mais bon, faut pas baisser les bras. Allez, le corner avec Di Maria, son PSG là qui est pas loin de. Parce qu'on a tous en deuxième but! Oh là là, Ruffy, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il n'y avait plus de gardien, il avait juste qu'à bien cadrer, c'était beau! Oh là, vraiment magnifique, dommage les gars! On reste à 1-1, mais ça marche équilibré, les gars. Dommage. Et la touche, c'est Kibergen. Kibergen avec Jesus. Jesus avec Léa, ça c'est bien. Le côté. Le côté avec Kamano. Allez, vas-y, mon pote. Avec Kamano. Kamano, la passe, c'est bien joué. Ah, la frappe. Oh, le deuxième but, les gars. On reprend l'avantage, Léa. Et c'est qui la passe de Jesus qui défend Kamano. C'est un très bon match. Comme Dabo, c'est énorme, Dabo. Et la passe magnifique et la grosse frappe du gauche, c'est un homme meilleur buteur. Il permet de mener face au grand Paris Saint-Germain les gars. Bien joué les gars, maintenant faut tenir les gars. Allez. Avec Amano. Oh, attention la perte de balle avec Lucas. Avec Di Maria, faut tenir les gars, il reste beaucoup de temps les courriers. Mitarian. Oubliez la frappe. Bien joué Ruffo. Bien joué les gars, passant de mi-temps, on essaie de tenir. Le terrain il est énorme, il est partout. C'est vraiment mon gros coup de cœur pour le moment. Là par contre j'ai manqué les billets, attention. Heureusement que sur Tony il aurait pu faire la passe, mais là il a bien fait la passe avec Lucas. Attends, Lucas l'a roulé. Ouh, Zlatan était à l'affût. C'était chaud les gars. Toujours 2 buts 1, il reste 5 minutes. 5 minutes à tenir les gars. Alors on joue. On des équipes pourries et qu'on perd. Et là regarde, on bat le PSG en n'étant même pas dominé quoi. Résultat somme du match. Dabo 6,7, il méritait beaucoup mieux. C'est vrai que bon, il a pas marqué, il a pas fait décisif, mais dans le terrain il a été énorme. C'était un match très équilibré, le nul aurait peut-être été plus logique, mais on s'impose. Monaco qui bat en G2-1. Ça fait un peu chier. Mais maintenant on va voir pour une fois, parce que soit on a moyen de monter sur le podium,
Et à chaque fois, on n'y arrive pas. On a toujours un match en moins. Là, normalement, on y est arrivé. Donc, est-ce qu'on peut voir le classement? Non, bon, bah, c'est pas grave, déjà. Ouais, donc la fin du mercato. Donc, on a recruté 3 joueurs pour 5 500 000. On a vendu plusieurs joueurs pour. Et voilà, on vendra l'été prochain, comme j'ai dit, pour un peu plus de 30 millions. Ça peut être pas mal. Donc, on va avancer. Allez, encore une offre de transfert. Alors, c'est pour qui cette fois-ci? C'était pour Cornier, cool. Bah, Cornier, on va le vendre. Bon, vas-y, on est pas 1 million près. Je veux le vendre, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Puis qu'il fait pas partie des joueurs que je compte, vu que le MOC ne fait plus partie de mes dispositifs. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on continue à avancer. Donc, 3 ont recruté un joueur à 375 000 euros. Il doit être vraiment fort. Donc, je pense qu'on a vendu Cornier, là, je pense ça l'email. Mais non, mais là, on l'a déjà vendu, lui, je suis con. Donc on est bon, on va recevoir un deuxième email maintenant pour nous dire que c'est la fin du mercato, blablabla. Donc on a recruté pour 5 500 000, on a vendu tout pour 3 275 000. Donc là on a recruté en tout une perte de 2 millions d'euros. C'est pas grand chose les gars. Donc les entraînements on va les simuler avec ah ouais par contre ouais je vais mettre Camano maintenant. Donc on va enlever Mopé, on va le sacrifier. Enfin il y a encore un entraînement pourri donc. Alors lequel on enlève? On va enlever celui-là. Donc Ailier, Camano, il est là. On va y améliorer la vitesse, surtout l'endurance, etc. Enfin la vitesse, non, il a déjà 90, donc c'est pas utile, mais. Ouais, Hernandez, faut que j'y pense à le mettre en bronze. Parce qu'il est pas capable de. Voilà, avoir un F, c'est pas possible. Autant le mettre un truc facile pour qu'il augmente et voilà. Blessé. Oh putain non. Sukoto, bon, c'est pas grave, on fera avec. Non, on est 5e, on n'arrive jamais à rester sur le podium. Mais là, si on gagne, on peut encore faire une énième très très bonne opération, peut-être égalité que le deuxième. Qui est Rennes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se traverser ce match. On va mettre Tabanou. Ouais, Perrin. Hop, Tauphine Catherine. Ça me fait chier parce que franchement, le match face au PSG, j'ai vraiment aimé. Et j'ai envie de laisser les mêmes joueurs, mais bon, je peux pas. Mon Talan, je sais qu'il fera le taf, c'est pas un problème, mais c'est vrai que Perrin, Dabo, je crois que je vais le laisser. Hein. Dabo, je suis obligé. Même s'il est cuit, c'est pas grave. On le fait jouer. On va mettre Essérick aux côtés de Dabo. Donc, à moi, à un moment, on n'a pas réussi à le vendre, ça fait chier. Ouais, il va passer une demi-saison sur le banc. Tant pis pour lui. Ok, il y a mon chien qui est venu à côté de moi en plus. donc, on est bon, les gars, en espérant qu'il porte chance, mon chien. Ok. Vite. Je suis pressé de foutre mon nez à Rennes. Ah merde, j'ai oublié de mettre Assokoto dans la réserve. Donc on est bon. Voilà, on quitte. On pourra partir les gars pour le match. À l'extérieur, face à Rennes. Qui est deuxième, donc c'est pour ça que c'est. On va juste sauvegarder quand même. Parce que j'ai battu le PSG et j'ai pas envie je sais pas, il y a un petit problème qui se passe. Parce que ce serait quand même con. Hein. Ça, là je pèterai un plomb. C'est vu le match qu'on a fait. Ah, bref, on va jouer en blanc les gars, donc bye bec, en espérant que tu fasses un beau match. On va juste enlever la pluie parce que j'aime pas la pluie. On va mettre en clair. Ok les gars, donc on est parti les gars pour les meilleures actions de ce match. On espère bien évidemment une victoire comme face au PSG, let's go. Allez c'est Rick, vas-y la passe pour Tana, bien joué. Oh Tana le face à face, Tana le face à face. Oui, l'ouverture du score, Tana bien joué. Et encore la passe qui c'est une série. Même meilleur passeur pour sa 6ème balle physique pour son connard. Il est vraiment précis dans ce domaine. Et le Tanan, ça fait plaisir. On voit la magnifique passe d'Essérick. Et Tanan, le face à face, la frappe au premier poteau du mauvais pied. Le gardien qui fait un peu de la merde. Mais voilà, ça fait un but partout, les gars. Ouais, en vrai, je tire sur lui. Donc on s'en sort très très bien. On continue comme ça, les gars. On passe en défensif. Il se passait pas grand chose dans ce match. Hein. C'est vrai que c'était un petit match entre. Deux équipes pourtant très bien classées, mais surtout Rennes. Mais bon, c'est clair, c'est pas le match le plus jouissif que j'ai joué. Attention à la réaction avec Sio. Sio, il s'est arrêté avec Quintero, la frappe de Quintero. Bien joué, Ruffier qui vient nous sauver. Attention, corner avec Quintero encore une fois. 2 minutes en additionnel, faut tenir ultra défensif là, juste pour la mi-temps. Vas-y, Ruffier, pas de boulette, bien joué, mon pote. Allez, on relance vite avec Tanane, mais je pense pas qu'il va laisser l'action. Bon, on court, on sait jamais. Allez, Tanan. Tanan, la passe avec Robert. Avec Théophile Catherine. Ah, la passe de merde, j'ai merdé. Bon, c'est à mi-temps, voilà. Mi-temps, les gars.
On mène 1-0 grâce à Oussama Tanane. Avant les stats, mais c'est pas un grand match. Voilà, un tir, voilà. On a fait un tir à but, ils ont fait deux tirs. Et pas deux gros tirs, donc voilà. Espérons qu'il y a plus d'action deuxième mi-temps. Il y a eu deux balles, Fernandez. Il reste beaucoup de temps, les gars, faut tenir. On est en train de faire une grosse opération en prenant 6 points sur PSG. Enfin, deux victoires. Attention, la frappe, bien joué, Ruffier. À battre PSG et Rennes, j'aurais jamais imaginé. Il faut essayer de tenir. C'est clair que là, ce serait con de se faire égaliser. Attention, Quintero. Il est tout seul à droite, il a quand ils sont dangereux. La frappe, non, Dembélé, l'égalisation. Mais non, mais je suis en ultra défensif. Et l'arrière droit, il était en camping. Il était parti voir sa femme, je sais pas où, dans les tribunes. Il est sérieux, il fait quoi? C'est notre gros connard qui marche là-bas. Putain, il se fout de ma gueule. Mais non, mais c'est dégueulasse. 85ème minute. Ah, je suis dégoûté. Putain, on était sur le podium. À cause de ce but, et bah, on est sur le podium. Aussi, peut-être, Welbeck. Welbeck. Oh oui, Welbeck. Welbeck, le poteau, mais. Putain. Mais c'est pas possible. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, non, mais sérieux. Putain, je me fais guiser à 5 minutes de la fin, et en plus, avec son après, je touche le poteau. En plus, c'est que Welbeck, ce mec-là, je peux pas le saquer. Il mine tout seul en FIFA, je l'aime pas. En vrai, je suis pas du tout. Voilà, je suis pas fan du tout. Vas-y, Dabo. Dabo qui fait encore un bon match. Ouais, moi par là, chaque fois que je parle de lui, il fait des merdes. Et voilà, c'est terminé, les gars. Voilà, c'est terminé. Match nul. Ah, je suis 4ème. On reste. Voilà, si on gagne, on peut être encore une fois sur le podium. Mais à chaque fois, c'est ça. Si on gagne, on peut être 2ème, voire 3ème, ça dépend. Bon. Voilà, on peut doubler l'OM, quoi. Donc, c'est pour ça que ce serait bien de gagner face à Bordeaux. Encore un match compliqué. Bordeaux, c'est pas plutôt une bonne équipe. Hein. Ouais, on est 5ème maintenant. Ouais, il faut gagner. Les Bordeaux qui sont 12ème, donc on peut être 2ème égalité en cas de victoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut gagner. Mais en tout cas, on est sûr d'être au podium si on gagne. Et pour ça, il faut gagner, c'est pas gagner. C'est le 5ème contre le 12ème. Normalement, il faut gagner. Franchement, si on joue comme face au PSG, comme face à Rennes, je pense qu'on doit battre Bordeaux. Donc au 12ème, donc c'est qu'il y en a raison, je pense. La gestion d'équipe. J'ai un sous-couteau blessé, donc on n'a pas le choix. On va mettre mal cuit. On va mettre Pogba qu'on va glisser à gauche. Hop. Alors, but de terrain. Franchement, j'ai encore envie de laisser Dabo. Hein. Franchement, il est énorme. Il est énorme. En plus, il peut jouer partout. Et en plus, non, ah oui, au fait. Donc, merci à ceux qui m'a proposé Dabo. Je sais plus si. Désolé pour le nom, mais je sais plus. Et en plus, normalement, Dabo va signer à Saint-Etienne dans la vraie vie. Donc, c'est. Voilà. C'est un signe, les gars. C'est un signe. Donc franchement il est en vrai je le trouve très bon, mais sur FIFA il me fait kiffer. En plus il a déjà augmenté en général, il est déjà à 74 alors qu'il est arrivé à 113. Donc c'est cool. Donc les gars, on est parti pour ce match face à Bordeaux. Donc on a encore le moyen de finir sur le podium, donc let's go. Donc mi-temps les gars, donc c'est complètement l'inverse de ce qu'on a fait contre le PSG contre Rennes malheureusement. Parce que c'est de la grosse merde. Voilà, 32. La possession c'est abusé. Voilà, un tir de chaque côté mais pas de grosse occasion. Ouais, alors, ils font sortir un milieu de terrain, pourtant vu la position qu'ils avaient, ils n'étaient pas obligés. Il va falloir faire beaucoup mieux deuxième mi-temps les gars. Parce que là, si on veut espérer s'imposer, avec Amano la vitesse. Voilà, la technique, Malfi avec Dabo, Dabo le jeu avec Nukuri, il s'arrête, on remet avec Rezus. Oh Rezus, la grosse frappe, oh, dommage. Allez avec Dabo, allez les gars, dernière action pour nous. Oh Rezus, oh, il y a l'espace avec Rezus. Regardez, mais oh, il fait plaisir ce but, et là enfin on va être sur le podium les gars. À chaque fois on se fait niquer, et là on va enfin faire la bonne affaire et monter à la 3ème place et être guetté avec le 2ème. Là voilà, bon, on rentre directement dans le temps initial, donc normalement ça devrait le faire, faut juste récupérer le ballon et après c'est bon. En plus c'est que 2 minutes. Allez, récupère là. Voilà les gars, ça sent bon la victoire. Oh non, là par contre non. Et Malcolm. Et il est au Riz. Attention. Oh la tête. Non, mais putain. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette tête cheatée?
Et voilà, j'ai fait une blague de merde et je me fais punir derrière, bah c'est logique. Mais non, mais putain, c'est pas possible. Mais putain, je vais être le seul mec à marquer à la 89ème et se faire gazer à la 90ème. Mais c'est quoi cette tête? Putain, Cheikh Diabaté, mais va te faire foutre, mec, qui sait faire que des têtes. Il est bon qu'à ça, et putain, non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas le droit. Mais non, mais non, mais non, mais non. On se fait niquer à chaque fois. Putain, on compte rien à la 86ème, un truc du genre, là c'est pareil, la 90ème. Putain, là on vient de perdre, je sais pas combien de points là. Putain. Putain, non, on perd trop plein de points là. Là on vient de perdre 4 points. Là contre Rennes et Bordeaux, on a perdu 4 points, on a 4 points de plus, on était deuxième. Dégoûté. Je suis dégoûté. Oh là 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 là, bon. Faut garder le sourire. Le truc positif, c'est que je vais y travailler, j'essaie de trouver, mais... Non mais voilà, dans cet épisode, voilà, on a été invaincu. J'essaie de trouver le côté positif. Et putain, je suis dégoûté. Dégoûté. Quel connard, Diabaté. Ah putain, moi je l'aime bien, Diabaté, tu vois, il est gentil. Mais là, maintenant, je l'aime plus. Là, je le déteste. Là, va te faire enculer, Diabaté. Là, si je finis pas sur le podium, c'est à cause de Diabaté. Enculé, Diabaté. Moi, dans les commentaires, enculé, Diabaté. Et en plus, il y aura peut-être Guillaume qui a regardé cette vidéo, qui supportait un de Bordeaux. Bah, va te faire enculer aussi, c'est ta faute ça. Ah, je suis dégoûté, je suis dégoûté. On voit le classement, et voilà, on est 5ème. Mais attendez, parce que si on gagne le prochain match, on peut encore monter sur le podium. Donc on peut même monter à la 2ème place, voilà, malgré nos mauvaises opérations. Putain, on aurait gagné, on serait sur le podium. Ah, je suis dégoûté. Mais bon, si on gagne au prochain match, on est 2ème. Donc voilà, faut garder confiance. Mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté, putain, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là là, je suis dégoûté. Oui, c'est Eric, 6 passes D quand même. Il est bon. Il est bon, il est bon. Et Ruffier, 4ème avec cette question de clean sheet. Mais ouais, je suis dégoûté. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je suis dégoûté pour ceux qui ne le savent pas. Ah putain, bon bref. En espérant gagner qu'on le lance dans le prochain match, les gars. Pour pouvoir en couple essayer d'être le plus loin possible. Hernandez plus 4, c'est pas mal, il augmente bien quand même. Hein. Pierre 1 plus 1, Tabanou plus 1, Essek plus 3, 6 passes D, c'est bien. Dabo plus 1, franchement, il fait très bon. Très très bon, il m'a joué 3 matchs, il était fatigué, mais il a une bonne endurance, il a des bonnes stats de ouf partout. Mopé plus 3, c'est bien. Berich plus 3, c'est correct. Enfin, c'est bien. Babek, on s'en fout, pas jouer, il a plus 1, c'est ça qu'il a pas coûté le jeu. Nyaguri, il a de plus en plus de temps de jeu et il me fait de plus en plus plaisir. Kamano, j'aime bien, il m'a fait de bons matchs. Il m'a fait une passe D ou deux là depuis qu'il est arrivé. Dragoski plus 4, il faut qu'il continue à augmenter. C'est lui la relève de Ruffier. Donc il attaque d'augmenter encore. Pléa plus 2. 13 buts, 4 passifs, tout compétition confondu. À un moment, va tirer enculé. Le moine, Rhesus. Il m'a déjà mis 2 buts, Rhesus, il me semble. Ou 3. Donc voilà, les gars. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les gars. On va se retrouver pour la suite de la Car Manager. Et puis de la carrière pro, enfin bref, dans une prochaine vidéo les gars, c'était Roulian, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.